Non, celui-ci fonctionne pas là. Est-ce que comme ça, ça marche mieux Vous m'entendez Ou vous m'en m'entendez toujours pas <laughs> Cathy qui appelle Harmonie au secours. Ça Non, parce que c'est ce, celui-ci a priori qui fonctionne pas. Oui, mais ce, quand tu parles, celui fonctionne pas. Ça ah ça marche ah ça y est pouf <laughs> merci alors je suis désolée pour ce contretemps pour le coup euh, j'ai changé mes webcams toutes neuves donc il euh, y a eu des réglages qui a priori n'ont pas est, ne sont pas restés euh, mémorisés je suis vraiment désolée donc bonjour à toutes celles que je n'ai pas eu enfin que j'ai saluées en muet du coup donc euh, coucou Cathy coucou Martine coucou Muriel coucou Sève euh, coucou Mumu, coucou, coucou Annie, euh, coucou, coucou tout le monde. <laughs> en fait, voilà. Donc, je suis désolée pour ce petit contretemps. Donc, pour le coup, je vous disais que nous allons donc commencer ce projet, étant donné que nous avons pris du retard. Je suis vraiment désolée. Alors, je vous passe tout de suite sur mon plan de travail et on est parti. Donc voici notre petit projet d'aujourd'hui. donc une petite boîte, toute mimi où on peut y glisser donc un paquet de mouchoirs. Donc, hop là on cache la marque. <laughs> donc un petit paquet de mouchoirs qui se ferme donc avec un aimant et que nous pouvons mettre dans notre sac à main ou éventuellement pour offrir également pourquoi pas? Donc nous allons commencer, j'ai déjà donc tout préparé comme d'habitude. Donc j'ai utilisé euh, Précieux Instant pour, ce, pour cette version-là et j'ai tamponné Tu as le droit d'être triste. Donc voilà. Que j'ai tamponné sur du blanc et j'ai maté donc euh, en melon mambo. J'ai préparé tous mes DSP donc d'une nouvelle collection du nouveau catalogue, Nuances de Bonheur. Je l'adore cette collection, je, je ne m'en passe plus. Donc deux aimants que je vais mettre ici et donc notre papier uni de 19 par 16 et demi. Maintenant, Mumu, je sais, c'est pas grave, mais bon, c'est toujours un petit peu embêtant quand ça fonctionne pas. <laughs> voilà, voilà. Donc, nous allons commencer par contre, Donc, pour découper mon étiquette, je vous ai pas précisé. J'ai pris la perfo deux ovales. Donc, celle du haut pour le melon mambo et la, la toute simple donc pour euh, l'étiquette euh, tamponnée en blanc. Voilà. Donc, je prends mon papier. De 19 par 16,5 et je vais venir faire des plis donc je le prends euh, dans le sens euh, portrait donc sur les 16 et demi et je vais donc venir faire un pli à 2,5 donc à 2 cm et demi Oui, Mumu, pas de souci, va chez le doc. Gros bisous, ma belle. Donc à 2,5 et à 14 cm. Donc 2,5 et 14. Ah, merci, Cathy, c'est gentil de, de noter pour, euh, pour Isa, c'est gentil, je te remercie, ma belle. Je tourne mon papier d'un quart de tour. Donc, je me positionne sur les 19 cm. Et je vais marquer un pli. Alors, à 3,8. J'ai ma lumière qui fait des siennes. Hop. Donc, à 3,8. À 6,35.

Voilà. Donc, vous voyez que nous avons une partie un peu plus petite que l'autre. Si je rallume, est ce que vous verrez un peu mieux. Le papier est un peu foncé. Donc ici j'ai une partie de 3,8 cm et ici j'en ai donc une plus grande qui fait qui fait qui fait à peu près 4,5. Donc cette partie plus grande je la tourne vers moi et je vais venir couper. Alors, je vais vous mettre au crayon. Je vais venir couper donc ce rectangle ainsi que le petit carré ici de chaque côté, comme ceci. Donc, je prends mes ciseaux. Et je viens donc supprimer. C'est parti. Donc je coupe droit. Je ne biseaute pas. Je ne biseaute pas. Je coupe droit. Voilà, comme ceci. Et à ce niveau-là, vous voyez que nous avons un petit rectangle, un petit carré et un grand rectangle. Donc, au niveau du petit carré, je vais venir couper droit sur mes traits de pliage et ensuite je vais biseauter. Donc je vous montre, je coupe droit ici et je bisote ici. Comme ceci. Donc bien évidemment, vous pouvez retrouver le replay et euh, les fiches techniques sur mon blog tout à l'heure. Donc comme ceci, je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci, donc voici ce que nous obtenons à ce niveau-là. Je vais prendre ma perforatrice trio détaillé et je vais venir arrondir. Perforatrice que je n'ai pas sortie. Aujourd'hui c'est pas le jour. Décidément c'est pas le jour. Aujourd'hui c'est pas grave, je prends une autre. Donc je viens arrondir mes angles. Comme ceci. Coucou Corinne. Coucou Fabienne. Donc voilà. Je marque donc tous mes plis. Comme ceci. Et vous allez vous l'avez bien compris, nous allons donc coller nos languettes donc euh, je colle euh, peu importe dans quel sens de toute façon parce qu'on va mettre du papier design par dessus donc je vais coller la petite languette sur la grande et ensuite je collerai la moyenne par dessus donc ma petite languette par-dessus la grande et la moyenne en dernier comme ceci donc, je fais la même chose de l'autre côté bien évidemment donc je colle ma petite languette et je colle la moyenne par dessus il y a vraiment rien de compliqué comme ceci nous allons donc ensuite avant de coller le papier design positionner nos aimants donc mon premier aimant va venir à ce niveau-là et le second, bien évidemment, viendra sur le devant. Donc, je colle le premier un peu près au centre de ma boîte. Pas trop haut pour ne pas gêner quand je collerai mon, mon DSP après. Donc, à ce niveau-là, je ferme ma boîte. Donc, n'appuyez pas de manière à ce que ça ne dépasse pas ici. Hein. Mettez-vous bien. Ras, comme c'est censé être et on prend notre deuxième aimant que nous venons coller directement ici donc à ce moment là au plat je retire mon opercule et il vient se positionner directement à sa place donc mon aimant est positionné il ne me reste plus qu'à venir coller mes papiers design. Donc, je prends pour commencer mon papier de 11 par 5,4. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, excusez-moi. De 11 par 4,1. Je vais venir arrondir les deux angles du bas et je vais donc positionner sur le haut de mon couvercle. Donc, j'arrondis mes deux angles et je viens donc coller mon papier par-dessus mon aimant. Donc, j'ai pris une nouvelle collection, hein, comme je vous disais tout à l'heure, Nuance du Bonheur. Je travaille beaucoup avec depuis qu'elle est sortie. Je ne peux plus m'en passer. Donc, voilà. Au-dessus, je vais coller euh, un morceau de 11 par 2,2. Donc si vous avez un sens dans votre papier, hein, euh, s'il y a la continuité, surtout, faites bien attention. Donc moi, c'est le cas. Vous voyez, j'ai coupé comme ça. Là, c'était une feuille, une seule feuille. Donc, je positionne celle-ci sur le dessus. Merci, Muriel, c'est gentil. Oui, c'est vrai qu'elle est magnifique comme euh, comme collection ça a été un de mes premiers coups de coeur du nouveau catalogue ça n'a pas été le seul et pour l'instant euh, je travaille beaucoup avec celle ci donc au dos je vais coller le morceau de 11 par 5,4 j'espère je ne vais pas trop vite donc de la même manière mon papier se continue donc je le colle dans le même sens Là, pour l'instant il n'y a pas trop de, de différence mais on va y arriver c'est un ça faisait un dégradé de couleur dans mon papier donc en dessous, je vais coller mon deuxième morceau de 11 par 2,2. Donc là, mon papier commence un petit peu à changer de couleur. Donc, je le positionne en dessous. comme ceci. Et mon dernier morceau de 11 par 3,3, toujours la continuité de mon papier, donc on va venir se repositionner à l'avant pour cacher mon autre morceau de... mon autre aimant, pardon. C'est une version très peps comparée à l'autre que j'avais faite avant. Voilà. Oui, euh, Fabienne. En ce moment, j'aime bien les couleurs flashy. Oui, <laughs> c'est vrai. Habituellement, je suis plus dans le pastel, mais là, euh, oui, j'ai envie de flashy. Je ne sais pas pourquoi. <laughs> Et pour finir, donc mes deux petits morceaux de 5,4 par 2,2 vont venir se positionner de chaque côté de ma boîte. Je pense que c'est avec l'avenue du soleil qu'on a, on a un, petit, un, un petit peu envie de peps comme ça. Donc mes petits morceaux sur le côté viennent donc cacher. Euh, le, mon onglet de, de tout à l'heure. Bonjour Claude. Oui, super les papiers, j'aime bien. Oui, franchement, euh, il y a des, des, de très belles choses dans le nouveau catalogue. Oui Audrey, il y a beaucoup de collections comme ça au départ où j'osais pas couper dedans, je me suis dit c'est trop beau, c'est trop beau, mais sinon on, on s'en sert jamais, on met tout de côté, autrement donc, j'utilise. <laughs> donc ma boîte est terminée, il ne me reste plus qu'à coller ma petite étiquette, j'ai mis des dimensionnels à l'arrière, donc je vais simplement venir la coller sur le dessus. Hop. Donc, tu as le droit d'être triste. Voilà. Et je viens donc y glisser, en cachant la marque, mon petit paquet de mouchoirs à l'intérieur. Et voilà. Et J'ai mis mon autre. Allez, là. Donc deux versions différentes qui ont chacune leur charme. Donc sur celle-ci, j'avais marqué juste pour toi. Et donc sur celle d'aujourd'hui, tu as le droit d'être triste. Avec des couleurs gaies quand même. Donc, euh... donc chacune contient son petit paquet de mouchoirs. Voilà, voilà, ce petit live est déjà terminé, malgré un départ un petit peu euh, chaotique, on va dire. Donc, vu que vous n'aviez pas de son au départ, euh, si vous voulez devenir ma filleule, euh, contactez-moi sans aucun problème à scrap-passion54-outlook.fr. Vous pourrez choisir pour 175 euros de produits. Vous n'en payerez que 129 euros. Et cerise sur le gâteau, à partir du 3 mai jusqu'au 31 mai, vous pourrez également avoir 81 euros de produits Incolor gratuits. Je vous en reparlerai la semaine prochaine plus en détail. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon moment. Je vous rappelle donc que vous pourrez avoir le replay sur ma chaîne YouTube et sur Facebook, scrap-passion54. Et vous aurez également les fiches techniques euh, sur mon blog scrappassion 54fr Donc, cette fois-ci, sans le tirer et avec deux P. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau projet. À bientôt. Au revoir et merci. Bon week-end.